Salut, je m'appelle Bambé, bienvenue à Luigi Info TV. Dans la vidéo, ça nous va parler de 8 Donaguerre qui trouve un nouveau club en Europe. Je vous demande de connaître quel club n'a parlé. Mais regardez la vidéo ça jusqu'à la fin et abonnez-vous à la propos. Ciao! Bonjour, mes amis, dans la vidéo, ça nous va parler de 8 Donaguerre. Je sais que je connais, nous remets en pile. Depuis que c'est haïtien, nous remets 8 Donaguerre. Ça va, on sait que pour personne au monde. Comme on a oublié Green Gold, le petit Green Gold, bout de goal, je te fais face à Ismaël. C'est un goal qui te fait tout à Ismaël, voltigé, pompé. C'est un goal qui te fait qu'on est content en pile. Même là, on te perd du match à 2 à 1, mais on te content en pile. De façon ou pas, on te sorti nos fiers de Green Gold. C'est là que donc quoi goal ça, Ismaël pas bien oublié ça. Bon, il a gagné fait le 31 mars en Haïti 1989. J'étais habitué dans un club qui est le FC Carabag, mais actuellement là non. Et pour moi qui pas connaître trajectoire ou bien carrière, monsieur. En 2011 jusqu'à 2013, j'étais venu à América de Cali et de 2013 à 2016, j'étais venu à Wisła Cracovia en Pologne et puis de en 2016 jusqu'à 2017, j'étais venu à Allianz Diaspor en Turquie et de 2017 et m'gage jusqu'à nos jours parce que monsieur pour jouer avec et nouveau club Lyon, j'étais venu à FC Karabag dans le pays Azerbaïdjan. Bonjour tout connaît contrat Donald Guerrier était fini avec FC Karabag et des parties au terrain. Plan renouveler contrat là mais ça va sembler que au fin que Patrice non non accord et nouveau contrat fini par bail. Gampé là ici qui commence à bailler tête au problème, il te commence à paniquer, il dit comme ça souhaiter pour Donald Guerrier trouver un club et rapide vite. Mais qui te dit oui, Donald Guerrier déjà trouvé un nouveau club et nouveau club là par l'autre qui Neft et non quand tu changer qui c'est Nefti Bakou. On va l'écrire non dans vidéo pour nous capable OK. Et bah, qui est intéressant dans le club ça, qui est dans le club ça, là je suis dans le même pays avec ancien club Donaguerrien qui c'est FC Karabag. Mais selon moi même, c'est le bagage qui est négatif. Comme si je disais que Donaguerrien est venu dans le club ça, parce que le club ça pas fait pour un championnat. Le monde qui fait pour un championnat, c'est le bagage dans FC Karabag parce que les gens, et dans 5 années, c'est FC Karabag qui est toujours remporté le championnat. Donc, et neuf team quoi année passée était fini en deuxième position. On va mettre classement pour nous carabouer dans la vidéo hein. Et quoi c'est celle ça me considère comme un bagage négatif et après ça que we don't get it un nouveau club quoi c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Quoi que mon qui fait déficit dans départ Donald là c'est club FC Karabag là parce qu'il a acheté Donald pour près de 1 million euros dans main à l'Anjas Sport et il est acheté pour 800 000 euros et nous connaissons contrat est fini, jeu à été libre. Nefti prend Donald pour 0 good qui donc il pas payer FC Karabag ni un euro même. Et nous dit nous que nous avons mis le classement pour nous Karabouel et classement ça n'a pas gardé là, c'est classement saison qui sort passé là. Je n'ai pas gardé là FC Karabag est fini en première position et puis Nefti est fini en deuxième position. Et FC Karabag c'est lui qui met le championnat ça dans 5 dernières années, il est champion tous les 5 fois. FC Karabag année ça est fini en deuxième, je ne saute là. L'autre année est fini en 4e. 5e mais champion non c'est FC Karabag qui met champion à ça. Bonsoir, je vais vous mettre fin à la vidéo, j'espère que nous t'aimons, nous vous dans une autre vidéo, ciao ciao, à la prochaine.